Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 178 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc, on va commencer par un anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à Anthony Modeste qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc, ce footballeur-là, pas beaucoup de personnes le connaissent. C'est vraiment dommage parce que c'est un Français. Pour moi, il est vraiment sous-coté. Il évolue à Cologne en Bundesliga. Donc, c'est l'un des meilleurs buteurs comme de Bundesliga. Donc, aujourd'hui, il fête ses 29 ans. Donc, bon anniversaire à lui. Ensuite, on va revenir sur l'Europa League. Donc, on va déjà se consacrer aux sportifs. Donc, belle victoire de l'Olympique Lyonnais hier face au Beşiktaş, donc 2-1. Pourtant c'était mal embarqué vu que Beşiktaş gagnait 1-0 à la mi-temps, donc un but voilà, sur coup franc, ils ont joué rapidement, la défense lyonnaise était vraiment, ils n'étaient pas réactifs, donc beau but de Babel. Et ensuite Lyon vraiment, on peut dire vraiment poussé en deuxième mi-temps comme contre le match à l'AS Roma, donc je crois ils ont touché deux fois les poteaux, mais surtout à la 83e Tolisso égalise voilà, sur un petit extérieur, et à la 84e, donc c'est marqué 4-5, non c'était une minute plus tard, triple pressing sur le portier turc et but de Morel, en fait le gardien du Beşiktaş, je crois que ça un petit peu les pinceaux avec son pied, et voilà, Morel a réussi à récupérer la balle, il n'y a pas eu de faute, et voilà, donc 2-1 pour Lyon, donc belle, on peut dire, petite remontada pour eux. Ensuite, regardez le tweet de Jérémy Morel à la fin du match, il a dit, et voilà, tu marques tous les 5 ans, et c'est tout de suite, le contrôle antidopage, très fier d'avoir donné la victoire à toute la team OL, donc voilà les gars, c'est vrai que quand même Lyon ont pris l'avantage sur ce match aller, mais il faut pas oublier qu'il y a un match retour qui s'annonce très chaud, on va en parler juste après, mais beau but, voilà, de Morel, c'est pour ça que c'est souvent, il faut presser, voilà, les gardiens, parce que regardez, de temps en temps il y en a qui font des boulettes, et là c'est vrai que c'était 3 sur lui, et Morel il a bien réussi, enfin il a bien suivi, et il a marqué le deuxième but de l'Olympique Lyonnais. Ensuite on continue sur ce match, et on va parler des incidents, car normalement le match commençait à 21h05, comme tous les matchs d'Europa League, et en fait il a commencé à 21h50, parce qu'en fait il était retardé de 45 minutes, après que voilà les supporters lyonnais envahissent le terrain, parce qu'en fait tout simplement ils recevaient voilà, des jets de, on peut voir des jets de pétards, des jets de projectiles de supporters turcs qui se trouvaient au-dessus d'eux, donc une scène déplorable mettant en lumière une organisation défaillante au Parc OL, donc c'est vraiment pas une bonne image pour le Parc OL. N'oubliez pas que déjà ils accueillent la prochaine Europa League 2018, ça sera au Parc OL. Puis s'ils veulent toujours, voilà, peut-être pourquoi pas avoir dans quelques années une finale de Ligue des Champions dans leur parc, ça leur fait quand même une mauvaise bien sûr image. Donc regardez le problème. Donc c'était des milliers de supporters turcs se trouvaient juste au-dessus des supporters lyonnais. Comment l'organisation a-t-elle pu laisser faire ça? Donc déjà les supporters du Beşiktaş, je crois qu'ils sont déplacés à 15 000. C'est énorme, 15 000 supporters du Beşiktaş dans un stade du Parc OL. Je crois qu'il y a une capacité de 60 000 places. Donc ça fait à peu près 25% de capacité, voilà, que de supporters du Beşiktaş, c'est un truc de malade. Donc ils étaient juste au-dessus, et c'est pour ça que les supporters lyonnais en dessous, donc ils ont reçu quelques projectiles, donc il n'y avait pas de filet anti-projectile, donc c'est pour ça qu'ils sont partis se réfugier sur le terrain, et c'est pour ça voilà que le match a été bien sûr retardé. Ensuite on va parler de Jean-Michel Aulas, donc hier on l'a beaucoup vu voilà avec les supporters de l'Olympique Lyonnais pour essayer bien sûr de calmer les choses, donc on voit qu'il ferait pression auprès de l'UEFA pour demander un huis clos, voire une délocalisation pour le match retour. Il a fait aussi une petite déclaration à la fin, il a dit que ce serait dangereux pour nous d'aller en Turquie, estime Jean-Michel Aulas, donc il espère voilà un huis clos pour ce match là donc après bien sûr ça va, le verdict ça va être l'UEFA voilà qui va donner son verdict. Donc, déjà on voit dans l'article qu'il n'y aura aucun supporter lyonnais qui vont bien sûr faire le déplacement en Turquie, contrairement voilà où les Turcs qui sont venus quand même à 15 000, donc il n'y aura aucun, et donc là-bas là, bien sûr l'ambiance sera vraiment très chaude, mais bon pour moi voilà ils peuvent pas bien sûr l'UEFA faire un huis clos sur ce match là même une délocalisation, donc le match bien sûr aura lieu voilà dans le stade de ça du Beşiktaş, je sais plus comment il s'appelle, et voilà, donc maintenant c'est à Lyon bien sûr de confirmer là-bas, mais c'est vrai que l'ambiance là-bas va être très très chaude. Ensuite quelques photos dérivées sur cette rencontre, donc quand l'arbitre ne siffle pas pénalty pour Lyon, donc regardez bien sûr avec la photo de l'envahissement de terrain. Ensuite pas bête ce système en 567 321 et 45, merci Bruno. Donc voilà, comme ça Lyon bien sûr peut gagner toutes les coupes bien sûr européennes. Sinon on revient sur les rencontres hier soir en Europa League, donc il n'y avait pas que Lyon Beşiktaş, il y a aussi Anderlecht face à Manchester United, donc un partout, donc on peut dire voilà une bonne option bien sûr pour Manchester. Sinon Celta Vigo face à Genk, 3-2 pour le Celta, et l'Ajax voilà, ont vraiment un pied pratiquement en demi-finale vu qu'ils ont gagné 2-0, et surtout ils n'ont pas pris de but à domicile face à Schalke 04, donc voilà on saura c'est qui les demi-finalistes la semaine prochaine. Ensuite on clôture cette page Europa League, on va parler du reste de l'actu en Europe, donc les deux conditions de Zlatan pour rester à Manchester United l'année prochaine, donc terminer dans le top 4 et avoir des garanties sur le mercato estival, donc voilà si il y a ces deux conditions là, Zlatan pourrait rester, sinon les gars là, normalement Zlatan devrait partir en MLS et surtout à Los Angeles Galaxy. Ensuite une déclaration de Paul Pogba, il a dit je suis un milieu de terrain, pas un attaquant, les gens veulent que je marque des buts par rapport au montant de mon transfert, donc il était transféré pour 105 millions et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il est surcoté, voilà qu'il vaut pas autant d'argent, mais après voilà son but hein, lui les gars c'est pas de marquer des buts, c'est surtout de faire des passes décisives, voilà d'être on peut dire une pièce tournante voilà dans l'effectif de Manchester United, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup voilà qui regardent son montant de transfert et le nombre de buts qu'il a inscrit. Ensuite en conférence de presse Ronald Koeman, donc c'est l'entraîneur d'Everton,
a confirmé que Romelu Lukaku ne prolongerait pas à Everton. Donc hein, Lukaku voilà, risque, enfin c'est sûr voilà, qu'il va partir d'Everton l'année prochaine. Donc il espère voilà, aller dans un plus gros club, peut-être Chelsea, peut-être Arsenal. Donc on verra, dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite les gars, regardez à quoi va ressembler le futur centre d'entraînement du PSG selon RMC. Donc on voit qu'il y aura 10 terrains d'entraînement, un stade de 5000 places, 2 terrains auront une pelouse chauffée. Donc voilà les gars, le prochain complexe hein, qui va être construit, je crois, c'est en 2020 pour bien sûr le PSG. Ensuite les gars, on va parler d'Hugo Lloris. Donc aucun gardien de première ligue n'a concédé moins de buts par match qu'Hugo Lloris cette saison. 0,76 buts encaissés par Hugo Lloris cette saison voilà, lors de première ligue. Donc voilà, c'est vraiment un très bon gardien. On pourrait le mettre quand même dans le top 5 des meilleurs gardiens au monde. Ensuite on va parler de Jorge Sampaoli, aurait accepté de devenir le nouveau sélectionneur de l'Argentine à la fin de saison. Donc comme j'ai dit, Eduardo Boza, l'ancien sélectionneur de l'Argentine, donc il était limogé à cause des résultats de l'Argentine voilà, pour les qualifs. La Coupe du Monde sont actuellement 5e, donc sont barragistes, hein, voilà, ils ne sont toujours pas officiels bien sûr de disputer cette prochaine Coupe du Monde. Donc ça va être lui, Jorge Sampaoli, normalement qui va prendre sa place. Donc c'est l'entraîneur actuel du FC Séville. Ensuite regardez l'équipe de la semaine en Ligue des Champions, donc ça ferait un 5-2-3. Donc on voit qu'il y a deux Français dedans avec Griezmann qui a marqué un but et aussi Kylian Mbappé plutôt en MC, ils l'ont mis voilà, l'UFA, sinon on voit Ronaldo devant. Bien sûr les trois qui ont mis des doublés, voilà, on les voit dans cette équipe là. Donc c'est Ronaldo, Dybala et Mbappé et Griezmann aussi qui a marqué le but face à Leicester. On voit Kagawa, même si son équipe a perdu, c'est vrai qu'il a fait deux passes des coups, donc il est dedans. Et sinon bien sûr on voit pas mal de défenseurs quand même de la Juventus et le gardien, parce que voilà c'était vraiment solide, il y a que, enfin eux ils ont pas pris de but dans ces quarts de finale. Ensuite on va parler de l'AS Monaco. Donc sur ses 11 derniers tirs cadrés en Ligue des Champions, l'AS Monaco a marqué 9 buts. Donc c'est peut-être pour ça que voilà, c'est aussi performant l'AS Monaco ces temps-ci. Ils sont vraiment efficaces, c'est vraiment des tueurs vraiment devant le but. Il leur faut pas 15 occasions hein, pour mettre un but. Donc sur 11 derniers tirs en Ligue des Champions, ils mettent 9 buts. Donc si ils continuent comme ça, voilà, avoir juste 2 ou 3 occasions par match et ils mettent 2 buts à chaque fois, bah, bien sûr ils peuvent aller très loin. Ensuite, officiel, l'ancien entraîneur de Grenade, donc Lucas Alcaraz, est le nouveau sélectionneur de l'Algérie. Donc tous les Algériens voilà, qui me regardent, donc regardez votre nouveau sélectionneur. Donc je pense que l'objectif numéro 1, c'est de qualifier bien sûr l'Algérie à la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, officiel, l'AC Milan est vendu au Rosenery Sport Investissement Luxe, groupe chinois, pour 740 millions d'euros. Donc ils vont prendre 99,9% des parts de l'AC Milan. Il restera 0,1% à Berlusconi, voilà, l'ancien président de l'AC Milan. Ensuite, officiel, Marc Bartra sera absent des terrains 4 semaines. Donc 4 semaines pour Bartra, ce qui est énorme. Hein, voilà, surtout l'incident qu'il a eu, c'est même pas en cours de match. C'est vraiment un incident, on peut dire, insolite. Normalement, il aurait dû jouer face à Monaco. On l'a bien vu avec la défense du Borussia Dortmund. Ça peinait, hein, bien sûr, sans lui. Donc 4 semaines sans lui. Donc bien sûr, il sera pas là pour le match retour. Ensuite, officiel, on va parler de Didier Drogba. Annonce qu'il rejoint le club de Phoenix Rising Club de ULS, deuxième division des USA, en tant que joueur actionnaire. Donc voilà, Drogba hein, veut toujours pas partir en trade. Donc moi, je dis, tant qu'il est haut niveau, tant qu'il veut continuer voilà, sa carrière de footballeur, bah, qu'il continue. Et maintenant, voilà, nouveau club, c'est avec Phoenix en deuxième division de MLS. Ensuite, on va parler de Oscar, l'ancien joueur de Chelsea. Hein. Donc vous savez que cet hiver, il est parti voilà, en Chine tout simplement pour l'argent. Et on voit que ça va pas trop bien pour lui hein, parce qu'en fait, avec son équipe, il a loupé 2 pénaltys en 11 minutes et surtout, voilà, il a éliminé son équipe en Ligue des Champions asiatique. Mais bon, après, il peut se consoler bien sûr avec son salaire qui est de plus de quand même de 67 000 euros par jour. Ensuite, regardez l'équipe de Monaco lors de la montée en Ligue 1 en 2011. 6 joueurs ont disputé hier un quart de finale, voilà, la Ligue des Champions. Donc, voilà, Subasic, on voit Radji, on voit Dirard, on voit Mendy, on voit Germain, on voit aussi Ferreira Carrasco avec bien sûr l'Atlético. Donc, regardez, il faut pas oublier qu'en 2010-2011, Monaco était en deuxième division et voilà, ils avaient joué cette montée là. Et on voit qu'il y a quand même 6 joueurs avant-hier qui ont joué un quart de finale de Ligue des Champions. Ensuite, on va parler de Manuel Neuer, a réalisé 10 arrêts nets face au Real Madrid mercredi soir, un record pour un gardien bavarois en Ligue des Champions depuis 2003-2004. Donc, heureusement, bien sûr, que le Bayern avait Neuer parce que normalement il devait pas jouer. Hein, parce que, comme j'ai dit, il s'est fait opérer la semaine dernière, je crois, à la main. Donc, c'est pour ça qu'il avait loupé le match face au Borussia Dortmund. Donc, hein, si je pense qu'il n'aurait pas été là face au Real Madrid, je pense que le Real aurait pu au moins mettre 5 buts. Et regardez une petite déclaration de Zinedine Zidane par rapport à Neuer. Donc, il a dit nous étions pas face à un gardien de but, mais face à un mur. Donc, voilà ce qu'a dit, bien sûr, Zidane face à Neuer. Pour moi, Neuer avec Buffon, ils font partie des deux meilleurs gardiens au monde actuellement. Et pour finir, les gars, tout simplement, mettez-moi en commentaire. Donc, hier, hein, voilà, on a vu les 6 finalistes pour le titre du meilleur joueur de première ligue. Donc, on voit Eden Hazard, Zlatan Ibrahimovic, on voit Harry Kane, on voit N'Golo Kanté, Lukaku et Alexis Sanchez. Donc, voilà le titre hein, là, du meilleur joueur de première ligue. Ça sera entre un de ces 6 là. Donc, tout simplement, vous mettez en commentaire pour vous lequel voilà, mérite plus cette distinction là. Donc, pour moi, ça jouerait surtout entre deux joueurs, entre Eden Hazard et N'Golo Kanté. Je mettrais N'Golo Kanté parce que je trouve qu'il est vraiment énorme, hein, même si Hazard il a fait vraiment une saison aussi fantastique. Mais pour moi, voilà, mon coup de cœur, ce serait N'Golo Kanté. Donc vous mettrez en commentaire et j'ai regardé tout ça. Donc voilà les gars, la fin du Zapimage 178. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 179 demain.
Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Avec tes mensonges, Hugo, son âme est moche. Plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.